Jeudi vendredi 18 octobre, le Conseil de sécurité a réuni pour voter sur un projet de résolution pour renouveler le régime sanctions des Nations Unies sur Haïti pour une année jusqu'à date 18 octobre 2025. Ces pays équateurs avec qu États-Unis qui étaient écrit proposition de régime régime ça sur Haïti n'a rappelé que dans la date 21 octobre 2022, en réponse à la crise multidimensionnelle en Haïti, le Conseil de sécurité a été adopté à l'unanimité. Résolution 2653 qui établit un régime sanction sur Haïti qui gagne la donne bloqué, frise, bien monde que les sanctions visées, interdiction pour voyager avec tout mais qui prend pour... Mettez embargo sous ZAM. Comité cap travail sous régime sanction sur Haïti à travers résolution 2653 te rencontré récemment dans la date 11 septembre pour discuter sous rapport final comité expert. Rapport a été évalué que embargo ZAM qui était imposé sur Haïti était inefficace, empêché ZAM si qu'il est illégal dans le pays, Ça qui était alimenté violence gagnant sous territoire national. Évaluation sa que expert fait pour soumettre un rapport provisoire par le comité à date 1er mars qui conclut que l'application embargo ZAM sur Haïti était faible et l'y entravée par manque de ressources pour enforcer embargo ZAM avec. Tout, you manque de connaissance en détail de disposition en bagua n'amite autorité nationale à regionale. Sous causez ça, VOA creole te t'es parlé avec une officiel dans le département d'État qui c'est Barbara Feistein, qui expliquait dernier mezi que les États-Unis prend sous cause trafic d'armes illégalio. taking very real concrete action. So, since you and I spoke uh, last year... Noun brin sanksyon konkre, depi la nou te pale anepasya, vice-prezident Harris uh, annonse ke li dezyen yon koordonateur ZAM focus focus well. uh, pou Karaibla avek fokus sa sou Haiti avek tou yon inete investigasyon transkontinental pou retrase ZAM ilegal uh, yo. Kwen ta rejim sanksyonasyon zuni pran yo, illégal illégal yo dezyen moun ki angaje yo swa sipote aktivite kriminel ak violans nan PIA ki implike group ame ak rezo kriminel, rezo malfekte, moun ki sipote trafik ilegal ZAM Mak materyel ki gen rapo ak trafik zam. Moun ki empèche livri zo assistans imaniteyo an Haiti. epi ki atake ou swa bay sipo pou atake personel ak lokal misyon ak operasyon Nasyons Uniyan nan peyi ya. Nan dat 27 septem pase ya, komite rejim sanksyon an ba rezolusyon 2653 swa iti ya, ti apouve dezinyasyon 2 de lot moun an ba sanksyon yo. Yon nan 2 moun sayo, se Elan Luxon, lider gang Gran Grifla, ki te responsab yon atak motel, jou 3 oktob la nan vil pon sonde, ki te touye o mwen 115 moun. Dezyem nan se Victor Profan, yon ansyenman paleman haisyen, ki te swa dizan patisipe nan trafik zam. Nandak yo komite rejim sanksyon yo deja sanksyone 5 lot lider gang, Victoire profane, c'est premier monde qui désigne par sanctions Nations Unies, qui n'a classe politique haïtienne. Et jeudi à Conseil de sécurité des Nations Unies, fait voter. renouvellement régime sanction ça pour date 18 octobre 2025. Pour Véo Creole, Valéry Saint-Louis, depuis New York.